Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur le plateau du journal de la télévision nationale du Burkina. À la une de cette édition, la rencontre hier entre le président du FASO et les protagonistes de la crise malienne. Un cadre de concertation est en vue et qui devra permettre de trouver une solution pacifique à la crise que traverse ce pays. Le Conseil des ministres a examiné divers dossiers ce mercredi. Parmi eux, des dossiers relatifs à l'expertise nationale, à la recherche scientifique et à la sûreté dans l'aviation civile. Et puis les résultats des élections qui se font toujours attendre. La Commission électorale nationale indépendante continue de centraliser les résultats avant la publication des résultats provisoires prévus pour être justement publiés demain pour les législatives. Le président du FASO a reçu hier et pour la première fois trois des protagonistes de la crise malienne. Il était question de discuter de la formalisation d'un cadre de dialogue pour une sortie de crise par le truchement des négociations. Tanga Kafando. Sur invitation du président Blaise Compaoré, médiateur de la CEDEAO, trois délégations étaient hier à Ouagadougou. Une délégation du gouvernement malien conduite par le ministre des Affaires étrangères, une délégation du Mouvement national pour la libération de l'Azawad, MNLA, et une délégation du groupe en Sardine. Dans le communiqué final qui a sanctionné la rencontre, lu par Djibril Bassolé, ministre des Affaires étrangères du Burkina, les trois parties saluent l'option du dialogue et l'initiative de la rencontre. Les trois délégations ont reconnu la nécessité de créer un cadre de dialogue intermalien, inclusif, impliquant les représentants des différentes communautés vivant au nord du Mali. Dans le cadre de ce dialogue, les délégations conviennent de se conformer aux principes ci-après. Le recours au dialogue et à la négociation pour le règlement politique de la crise pour une solution définitive et équitable de la crise. Le respect de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale du Mali. Le respect des droits de l'homme, de la dignité humaine, des libertés fondamentales et religieuses. Dans le fond, l'État malien pose ses principes comme préalable au dialogue. Ils sont non négociables. La délégation gouvernementale a réaffirmé que l'engagement à respecter l'unité nationale, l'intégrité territoriale, la forme républicaine et la laïcité est un préalable à l'ouverture du dialogue. Notre mission consistait à réaffirmer de manière résolue et claire les positions de l'État malien, à savoir qu'aucune négociation ni un dialogue n'était possible autour de l'intégrité territoriale, autour du caractère laïque et républicain de l'État et de l'unité nationale. Pour les MNLA, ce n'est qu'un premier contact et tous les sujets seront déposés sur la table des négociations. Toutes les parties, pour se retrouver autour d'une table de négociation, doivent ne pas avoir de préalable, de conditions préalables. Donc aujourd'hui, c'est ça que le médiateur nous demande, c'est de nous retrouver autour d'une table de négociation. La société civile malienne était là. Pour elle, les libertés individuelles doivent être respectées et surtout, justice doit être rendue aux victimes de la crise. Nous réclamons justice pour toutes ces personnes qui ont été extrajudiciairement punies, ou tuées ou massacrées. Nous venons avoir des clarifications sur ce qui s'est passé. Et nous voulons être présents dans les discussions de maintenant jusqu'à la fin des pourparlers. Pour ce premier contact, le médiateur Blaise Compaoré avait à ses côtés le président de la commission de la CEDEAO et l'Organisation pour la coopération islamique. Et pendant ce temps, les responsables des armées maliennes et burkinabè sont en concertation à Ouagadougou. C'est une rencontre qui se situe dans le cadre de la 5e réunion du comité de suivi de l'accord militaire et technique entre nos deux pays. Le compte-rendu est cette fois de Symphorien Somda. Pendant 48 heures, les membres du comité ont évalué les actions de coopération militaire tout en veillant au respect des dispositions de l'accord. Au dire des participants, de nouvelles propositions ont été faites pour améliorer le cadre de concertation. Nous avons regardé chaque aspect. En regardant, nous avons tenu compte de cet aspect qui a été donc pour nous une orientation. Et nous sommes arrivés à des conclusions que tous les procédés et mécanismes que nous avons en fonction en ce moment sont de nature à, s'ils sont amplifiés, à contribuer à une meilleure sécurisation, en tout cas à renforcer la situation sécuritaire pour ce qui nous concerne les deux pays. Et donc nous avons fait des propositions pertinentes dans ce sens
qui seront soumises à la discrétion, bien sûr, de l'autorité militaire et du gouvernement. Ce qu'on peut retenir, c'est que les relations entre les deux forces armées se renforcent et ça s'améliore d'année en année. Parce que les recommandations que les uns et les autres font, à chaque fois, on est en train d'améliorer, même parfois réviser même les quelques points de l'accord, quand on voit qu'il y a des blocages ou bien des insuffisances. Et pour le comité, cette rencontre s'est tenue dans un esprit de fraternité d'armes et de cohésion, afin que les objectifs poursuivis soient atteints dans les meilleures conditions. Le Conseil des ministres a, dans sa séance de ce jour, adopté des décrets d'application de la loi portant réglementation de l'expertise nationale. Ce sont en fait des décrets qui définissent les différentes catégories de professions, de l'expertise et des modalités de fonctionnement. Le ministre en charge de la question donne plus de précisions au micro de Jacques Lamissa Tarapaga. Il s'agit de désigner l'Agence nationale de l'aviation civile comme l'autorité compétente en matière de sécurité et de sûreté de l'aviation civile. Il y avait également l'adoption du programme national de sécurité pour l'aviation civile. Donc il était important qu'on puisse prendre ce programme qui existait déjà, mais qui a été revisité pour le mettre à jour compte tenu de l'évolution en fait des règles au niveau international, notamment à l'OACI, l'Organisation de l'aviation civile internationale, mais compte tenu aussi des nouvelles formes de menaces qui peuvent se présenter donc par rapport à l'aviation civile. Et nous sommes même d'ailleurs en train de préparer un audit au niveau du Burkina Faso sur la sûreté et la sécurité de notre aéroport avec l'Organisation de l'aviation civile. Et tous ces textes-là devrait nous permettre vraiment de nous positionner comme étant un pays qui respecte les normes en la matière et dans lequel la sécurité et la sûreté de l'aviation civile sont garanties. Voilà, nous sommes allés vite en besoin, vous l'aurez remarqué, c'était plutôt justement au sujet de l'Agence nationale de l'aviation civile qui a été désignée comme autorité compétente en matière de sûreté de l'aviation civile. Et notre pays qui entend se conformer aux normes internationales a de ce fait adopté un décret dans ce sens et c'était le ministre en charge des Transports. Autre dossier examiné en Conseil des ministres, la politique nationale de la recherche scientifique et technologique et son plan d'action prioritaire. Les précisions, cette fois avec le ministre en charge de ce département, au micro de Jacques Lamissa Tarapaga. Les activités de recherche sont menées depuis de longues dates dans différentes institutions, mais jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment une orientation stratégique de la recherche politique. C'est-à-dire que nous n'avons pas défini une direction, n'est-ce pas, que nous voulons suivre et des objectifs que nous voulons atteindre. Donc en fait, il y avait beaucoup de programmes de recherche, quelquefois avec des redondances, mais il n'y avait pas ce cadre unique-là où toutes les activités de recherche se retrouvent et convergent en fait, vers les mêmes objectifs, les mêmes orientations. C'est pour cela que nous avons élaboré cette politique-là en y associant tous ceux qui font de la recherche, indépendamment de l'appartenance institutionnelle des structures de recherche, pour qu'en fait, nous arrivions à définir le creuset où toutes les activités de recherche politique doivent fondre pour en fait aboutir aux résultats que nous attendons. C'est pour ça que nous avons défini un certain nombre de principes directeurs et des orientations stratégiques pour les 10 à 12 années à venir, pour que toutes les activités convergent vers l'atteinte des objectifs à ces niveaux-là. Et donc, comme je vous le disais tantôt, le Conseil des ministres a, dans sa séance de ce jour, adopté des décrets d'application de la loi portant réglementation de l'expertise nationale. Ce sont des décrets, donc, qui définissent les différentes catégories de professions de l'expertise et des modalités de fonctionnement. Le ministre en charge du dossier s'explique au micro de Jacques Lamissa Tarapaga. Il y a différents ordres qui existent actuellement, qui organisent les professions. Mais au-delà de cela, nous avons un certain nombre d'experts qui sont soit des consultants individuels, qui sont soit des experts ou des sociétés d'expertise, qui aujourd'hui, il est bon qu'on puisse trouver un cadre clair et organisé pour leur permettre d'exercer leurs activités en toute transparence.
C'est ainsi qu'il a plu, en tout cas au gouvernement, d'introduire une loi qui a été adoptée et promulguée. Et maintenant, c'est la série des décrets qui va permettre non seulement de pouvoir définir les différents domaines et sous-domaines d'activité, parce que vous pouvez en avoir au niveau de l'environnement, vous pouvez en avoir au niveau de la fiscalité, vous pouvez en avoir au niveau des télécommunications, etc. Donc ces différents experts vont être catégorisés et dans une seule base de données et avec une série soit d'experts seniors ou d'experts juniors, ainsi de suite, avec aussi on a prévu qu'il puisse y avoir pour eux des honoraires qui sont prédéfinis. Et les manifestations entrant dans le cadre de la commémoration du 52e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance sont marquées par une série d'inaugurations et de constructions d'infrastructures. Le Premier ministre béarn Luc-Adolphe Thiaw a ainsi procédé à la pose de la première pierre du monument de l'espérance et à l'inauguration de l'hôtel administratif. C'était hier et le reportage est de Nathalie Kaoré. Situé au secteur numéro 8 de Koudougou, l'hôtel administratif de l'État du Centre-Ouest est bâti sur un terrain de 10 000 m². Il comprend 48 bureaux, 6 salles de réunion, des magasins et des guichets de renseignement. Il comporte en annexe des parkings, une guérite et des locaux techniques. Avec ce bâtiment, les services déconcentrés des départements ministériels seront désormais regroupés en un seul lieu. Il permettra d'abriter 6 directions régionales. L'immeuble est muni d'un réseau informatique et est doté d'un dispositif de lutte contre l'incendie. L'inauguration de l'hôtel administratif du Centre-Ouest est une étape décisive dans la mise en œuvre du programme immobilier de l'État lancé le 20 mars 2010. C'est une initiative du chef de l'État qui est de doter chaque chef-lieu de région d'un bâtiment administratif capable de regrouper les principaux services. Et cela va offrir non seulement un confort pour les agents qui vont y travailler, une efficacité dans le travail, mais aussi va permettre au public souvent qui ne savent pas où aller trouver certains services. Donc tous les services seront sur place et donc l'accès donc, à ces services-là sera beaucoup facile. Je pense que Koudougou peut se réjouir donc à l'occasion de ce 52e anniversaire de disposer d'un tel joyau. La particularité de l'hôtel administratif du Centre-Ouest est que son style s'inspire de l'architecture et de la culture des peuples de la région, composée en majorité de Mossi et de Gourinci. En perspective, et selon le ministre de l'Économie et des Finances, des travaux de construction des hôtels administratifs de l'État devront débuter courant 2013 dans les régions de la Boucle du Moun, des Cascades, du Centre-Est, du Centre-Nord, du Centre-Sud et du Nord. Quant à la région du Centre, les travaux de construction de l'hôtel administratif de l'État sont en cours d'exécution. Béarn Luc-Adolphe Thiaw qui a en outre procédé à l'inauguration d'autres ouvrages qui auront coûté un peu plus de 8 milliards de francs CFA. L'axe du défilé a du reste été baptisé du nom du premier président du pays, natif de la région du Centre-Ouest, Ernest Kambiré. Ouverture de voies, aménagement et bitumage de voiries, éclairage public, Koudougou, la cité du Cavalier Rouge brille. Conçu et réalisé dans le cadre des festivités commémoratives du 11 décembre 2012, ce sont au total 27 km de voirie au profit des populations, des infrastructures économiques et de services inaugurées par le Premier ministre chef du gouvernement qui confère à la ville de Koudougou une dimension digne d'une ville moderne, une cité de notre époque capable de relever le défi organisationnel de ce 52e anniversaire de l'accession du Burkina Faso à la souveraineté nationale. Nous avons réalisé, comme vous le voyez, l'ère du défilé. C'est la 2x2 voies qui va donc servir donc pour le défilé durant donc les festivités du 11 décembre. Nous avons également réalisé les voiries au niveau donc de la cité donc des forces vives. Nous avons aménagé donc et bitumé les abords du marché. Nous avons également fait un certain nombre de travaux connexes, comme par exemple la voie d'accès à la brigade des sapeurs-pompiers et un certain nombre de petites voiries que nous avons réalisées. Construite pour créer un standard de vie minimum et pour redorer l'image de Koudougou et de la région du Centre-Ouest qui accueille la fête, les infrastructures à vue d'œil sont un plus à l'attrait de cette ville qui a vu naître Maurice Yameogo, le premier président du Burkina Faso. Et avec cette autre allure, la capitale du Centre-Ouest est prête à accueillir le président du Faso et les invités de marque qui feront le déplacement de Koudougou.
le chef du gouvernement qui a procédé à la coupure du ruban à l'occasion de cette inauguration a fait d'une pierre deux coups. La double cérémonie à laquelle Luc Adolphe Thiaw a eu droit lui a permis de baptiser l'axe du défilé Las Koudougou Dédougou, avenue du président Maurice Yamlego, longue de plus de 5 km. La famille est vraiment très contente parce qu'on s'est souvenu du premier président de ce pays qui en plus est né à Koudougou. Donc vraiment, on n'a pas de mots pour remercier. Pour ces voiries de qualité où mobilité rime avec fluidité du trafic, mais également avec sécurité pour passagers, l'État burkinabé et ses partenaires ont dû mobiliser plus de 8 milliards de francs CFA pour permettre à Koudougou et à la région de valoriser tout le potentiel dont elle recèle et généraliser ainsi le bien-être par des transformations sur les plans infrastructurels, socio-économiques, politiques et culturels. Aujourd'hui, s'il y a un trophée national à décerner relativement à la citoyenneté, je suis convaincu que la commune de Koudougou va remporter ce trophée de citoyenneté. Après donc la crise de 2011, je pense que les populations de Koudougou se sont beaucoup remises en cause. Et à jour J-6, ces ouvrages réceptionnés et prévus au titre des préparatifs et des enjeux de ce grand événement à Koudougou confirment bien, si besoin en était, que le pari est en passe d'être gagné. Dans cette nouvelle configuration de la ville de Koudougou que le chef du gouvernement a interpellé les populations de l'ensemble de la région pour une mobilisation conséquente autour des festivités marquant le 52e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. Des propos recueillis pour vous par Ernest Kambiri. La réalisation de ces infrastructures, c'est ce que nous laisserons de façon concrète pour la population de Koudougou. Et je crois que c'est un effort important du gouvernement pour permettre à cette ville de disposer d'une belle voirie, en tout cas d'améliorer la voirie, et aussi permettre donc à la population d'avoir un déplacement beaucoup plus fluide. Et le chef d'État a souhaité que la commémoration de l'indépendance de notre pays soit marquée par des activités de développement concrets au niveau de chaque région, et c'est ce qui donc a été fait à Koudougou. 27 km de voirie, comme vous le dites, beaucoup d'autres aménagements, c'est quand même un investissement important. Pas simplement la voirie, mais il y a aussi l'électrification de toutes ces voiries. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, Koudougou a un plus à l'occasion donc, de ce 52e anniversaire. Et vous me permettez donc à cette occasion de d'abord de féliciter toutes les entreprises qui ont réalisé ces travaux parce qu'elles l'ont exécuté dans les délais et elles l'ont très bien fait. Et je crois que ça, c'est un plus également qui montre que nos entrepreneurs sont capables de réaliser de grandes choses. Je félicite également la population riveraine parce que pratiquement tout au long de l'exécution donc de ces travaux, il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu de protestation majeure. Et je crois que la population a subi les désagréments, mais aujourd'hui, elle bénéficie donc de toutes ces infrastructures. Excellence, à une semaine de l'apothéose, est-ce qu'il y a un message particulier pour les populations de Koudougou pour que la fête soit belle? Oui, merci beaucoup de cette question. Je pense que je ne peux que demander à la population de Koudougou qu'aujourd'hui, elle a un devoir historique de réserver un accueil chaleureux à tous les hôtes qui viendront à cette fête nationale. De réserver cet accueil au Burkinabé, cet accueil, ceux qui viendront de l'extérieur, et de montrer une fois de plus que la population de Koudougou a le sens de l'hospitalité, a le sens vraiment de l'accueil. Et je souhaite que cette fête soit belle, qu'elle se déroule dans le calme, dans la tranquillité, et que vraiment, à l'issue de cette manifestation, que nous sentions à partir de Koudougou une nouvelle dynamique qui s'installe dans cette ville. Et pour marquer le début des manifestations, c'est un cross populaire qui a mobilisé de nombreuses personnes à Koudougou. Le reportage est cette fois de Nathalie Kaoré. Ce cross populaire marque le début d'une semaine d'activité entrant dans le cadre de la célébration du 11 décembre à Koudougou. Les autorités locales au premier rang, les sportifs du jour ont parcouru environ 2 km partant de la place du président Maurice Yamlego au nouveau siège régional de la Chambre de commerce et d'industrie du Centre-Ouest.
Quelques une heure après cette activité sportive, le premier ministre burkinabé est accueilli à Kourougou, à la place qui mérite bien d'être appelée place de la nation, selon le gouverneur de la région. À cette place sera érigé le monument de l'espérance. Ce monument est un monument sur plus de 34 mètres de haut qui comporte un socle de 52 marches et une partie montante avec un ascenseur à gauche et un escalier à droite. En montant avec l'escalier, vous lirez l'histoire sociopolitique du Burkina jusqu'en haut où vous avez un restaurant panoramique où vous pouvez vous rafraîchir et reprendre l'ascenseur et redescendre. Après avoir suivi des explications sur le plan, le Premier ministre a procédé à la pose de la première pierre du monument qui devra être réceptionnée dans 12 mois et coûtera 1 milliard de francs CFA. C'est un monument qui va refléter l'ambition de tous les Kourougoulais, Kourougoulaises, de tous les ressortissants, toute la population du centre-ouest et du Burkina Faso. C'est un monument qui donne notre capacité à bâtir notre pays pour le futur. C'est pourquoi il s'élève sur une hauteur de plus de 34 mètres. Et je pense que c'est un symbole que nous voulons donner et dire que le Burkina Faso, c'est un pays qui progresse. 52 ans d'indépendance, c'est aussi 52 ans de construction. Et Kourougou donc va refléter cette ambition d'un Burkina émergent. Le gouverneur de la région du centre-ouest a invité la population de Kourougou à se sentir fier de perpétuer la mémoire du grand homme et premier président Maurice Yameogo qui a proclamé avec courage l'indépendance du Burkina Faso le 5 août 1960. Komiaba Pascal Sawadogo propose désormais l'appellation Côte d'Azur du Burkina Faso où on vient puiser les secrets de la paix, de la cohésion sociale et du développement. Et toujours dans le cadre de la commémoration de la fête de l'indépendance, l'introduction de cours d'éducation civique a été lancée dans les écoles primaires et établissements secondaires de notre pays. Le ministre des Enseignements secondaires et supérieurs était pour la circonstance au lycée municipal Rimvougré de Ouagadougou, Jean-Baptiste Ouédraogo. Avec attention, les élèves du lycée municipal de Yamtenga, dans la périurbaine est de Ouagadougou, suivent le cours dispensé par le professeur Moussa Ouattara sur la citoyenneté, le dialogue et la paix. Aujourd'hui, il y a un thème qui a été pris, c'est citoyenneté, dialogue et paix, socle d'une nation solidaire et prospère. Alors, quand j'étais à votre place et qu'on m'écrivait un texte comme ça, on va commencer à dire quoi? On va déterminer les mots-clés. Hein? Donc, dans mots-clés, on va trouver citoyenneté. Ensuite, dialogue. Ensuite, paix. Ensuite, socle. Ensuite, solidarité. Ensuite, prospère. Dispensé dans le cadre des activités du 52e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso, ce cours vise à mieux expliquer à ses élèves le thème de cet anniversaire qui est citoyenneté, dialogue et paix, socle d'une nation solidaire et prospère. C'est d'abord un appel approprié donc à une bonne prise en charge par la société de la citoyenneté. Alors j'ai eu le plaisir d'expliquer à certains élèves qu'aujourd'hui c'est eux qui vont suivre les cours et que si vraiment ils en ont eu une très bonne compréhension. L'idée est que chacun d'eux appartenant à une petite cellule à l'intérieur de la cité, que dans des discussions entre eux aussi, ils permettent effectivement à ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école ou qui ne sont plus à l'école de participer à appréhender effectivement ces notions qui sont des notions très importantes. Comme les élèves de Yamtenga, tous les élèves du Burkina ont eu droit à ce cours simultanément, selon le ministre Moussa Ouattara. Un cours que le gouvernement entend d'ailleurs institutionnaliser pour que chaque année, au premier jour de la rentrée au Burkina, les élèves soient outillés sur le thème du 11 décembre. Et de la stratégie de croissance accélérée de développement durable, il était question à la faveur d'un panel organisé à destination du réseau des organisations chrétiennes. C'est le secrétaire exécutif de la SCAD qui a lui-même entretenu les participants sur la question. Boukari Ouédraogo. Le monde évangélique est désormais en phase avec la stratégie de croissance accélérée et de développement durable, SCAD.
réunis au sein du réseau des organisations chrétiennes depuis 2009 pour des actions de construction de la nation burkinabé, ces acteurs n'ont pas voulu rester en marge du nouvel référentiel qui dicte la conduite et les actions pour le développement du Burkina. Ce panel devra, chers filleuls, renforcer la conviction et la volonté de l'Église et des organisations chrétiennes à accompagner les efforts de développement du pays. Quand on est dans un pays, on doit savoir où le pays veut aller pour pouvoir aussi apporter sa petite contribution à cette marche-là. Une journée qui sera marquée par une conférence donnée par Seglaro Abel Sommé, secrétaire exécutif de la stratégie de croissance accélérée et de développement durable, qui du reste apprécie cette démarche du monde évangélique. Le gouvernement apprécie le fait que les différents acteurs, dans leur spécialité, dans leur spécificité, s'intéressent à la SCAD, parce que nous savons très bien que cette stratégie est l'affaire de tous les Burkinabés. Il est certain qu'à l'issue de cette rencontre, les défis du développement basés sur la SCAD seront relevés avec l'appui et le soutien de l'Église évangélique qui œuvre continuellement pour le bien-être de l'homme. Le président de la Commission électorale nationale indépendante a rencontré les médias cet après-midi même pour faire le point sur la procédure de validation des résultats du scrutin. Des résultats provisoires prévus pour être proclamés demain jeudi pour les législatives. Nous vous invitons à l'entendre. Notre rôle actuellement, c'est de travailler avec l'ensemble des centres provinciaux de compilation des résultats et de manière à pouvoir effectivement valider tous les résultats. D'abord des élections législatives et puis des élections municipales. Alors, en quoi consiste donc le travail avec le centre de compilation? Dans un premier temps, nous travaillons donc avec le centre régional, le centre provincial que vous apercevez sur cet écran derrière. Alors, il s'agit au niveau de ce centre de compilation, par exemple, prenons l'exemple de la région de la boucle de Mouhoun, c'est la province du Sourou. Nous travaillons donc à rassembler avec nos collègues qui sont là-bas, qui sont donc dans ce centre, à rassembler l'ensemble des résultats de tous les bureaux de vote, de pouvoir donc les classer et de parvenir à un certain nombre de constantes à partir desquelles nous déterminons la distribution des voix par parti et donc par au niveau de la province. Par exemple, en ce qui concerne la région du Sourou, il y a 21 partis en compétition. Et il y a dans cette localité-là 211 bureaux. Donc c'est l'ensemble de ces 211 bureaux-là qui sont compilés et on arrive à un certain nombre de chiffres globaux qui sont totalisés. Les règles de prudence pour nous assurer que les résultats sont traités et délivrés dans des conditions absolues de sécurité. Cela nécessite du temps, hélas. Nous vous demandons votre compréhension. Lorsque, effectivement, on aura achevé l'ensemble des traitements, on procédera à la proclamation des résultats en ce qui concerne les élections législatives. Nous espérons vraiment pouvoir le faire demain dans la soirée, ici, dans notre maison, au niveau de la CENI. Évidemment, pour les élections municipales, ce sera un peu plus tard. Et pendant ce temps, la présidente du Conseil supérieur de la communication était devant les médias. Le prétexte est tout trouvé. Il s'agit de faire le bilan des actions menées par son institution en matière de gestion de la couverture médiatique des élections. Le point avec Nyarki Teda. La prestation d'ensemble des médias, publics et privés, dans la couverture médiatique de la campagne et des élections du 2 décembre dernier est jugée globalement satisfaisante par la présidente du Conseil supérieur de la communication.
la tenue d'une campagne apaisée, l'accès des partis politiques aux médias publics, le respect de la règle du pluralisme et de l'équilibre de l'information sont autant d'aspects à mettre à l'actif des médias et qui confortent Béatrice Damiba dans sa position. Mais la présidente du Conseil supérieur de la communication regrette tout de même quelques insuffisances. Autant il faut prodiguer des éloges aux médias publics pour leur action, autant il faut regretter quelques traitements déséquilibrés notés au début et à la fin de la campagne au journal télévisé de la TNB le 18 novembre et le 30 novembre. Le 18 novembre, on a enregistré, c'était l'objet de ma lettre, 23 minutes 33 pour le CDP contre 16 minutes pour 8 autres. Et le 30 novembre, 36 minutes pour le CDP contre 32 pour 17 autres. Des insuffisants qui n'entament à rien le professionnalisme des médias qui ont usé par tous les moyens pour être sur les traces de certains partis politiques, dira Béatrice Damiba, qui lie ce déséquilibre à l'inorganisation de bon nombre de partis politiques. Le CSE note avec un satisfaction particulier pour le respect du principe du pluralisme et de l'équilibre de l'information au niveau des éditions citoyennes. La présidente du Conseil supérieur de la communication a en revanche regretté le déséquilibre constaté au sein des médias privés. Les enseignements tirés du niveau d'occupation des espaces couverts par les médias privés en faveur des partis politiques sont riches. Ces enseignements sont analysés à partir de statistiques collectées au niveau de 10 radios privées. Les constats sont les suivants, un peu dans l'ordre. En tête, nous avons le CDP, 7h22 minutes, suivi de UNIR-PS, 2h54. Suivi de UPC, 1h47, suivi de ADF, 1h42, de FFS, et ainsi de suite. Au vu de ces constats, le Conseil supérieur de la communication propose une codification des périodes de pré-campagne, une meilleure préparation des émissions parrainées par le CSC. Le CSC propose également de revisiter la compréhension de la règle d'égal accès et également le parrainage des débats politiques en période non électorale par l'institution. Et les observateurs qui font eux aussi le bilan de leurs travaux, la mission de la société civile africaine de la CEDEAO dit avoir relevé quelques insuffisances et dysfonctionnements organisationnels qui, selon elle, n'entachent en rien la transparence et la sincérité du scrutin. Tanga Kafando. La mission d'observation électorale de la société civile africaine déclare sous toute réserve que les élections coupées législatives et municipales du 2 décembre 2012 en République du Burkina Faso ont été libres, équitables et transparentes. C'est la conclusion à laquelle est parvenu les observateurs de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, au terme du suivi de l'enrôlement biométrique de la campagne électorale et des opérations de vote. Une transparence dans la globalité, mais la mission a tout de même relevé quelques insuffisances. Sur la base des rapports préliminaires de nos observateurs, nous avons relevé quelques légères insuffisances et dysfonctionnements organisationnels qui ont marqué le déroulement de la campagne et les scrutins du 2 décembre 2012. Insuffisances et dysfonctionnements n'ayant aucun impact déterminant sur le bon déroulement du processus électoral, car ils sont inhérents à l'organisation des élections en Afrique. À la fin du processus électoral en cours, la mission d'observation de la société civile africaine de l'espace CEDEAO va établir un rapport définitif dans lequel des recommandations seront faites à l'endroit des différents acteurs impliqués dans l'organisation des élections au Burkina Faso. L'objectif étant l'amélioration du processus pour la préservation de la paix et de la quiétude dans les pays membres de la CEDEAO, surtout en période post-électorale. Et dans un tout autre registre, les cours de cassation du Togo et du Burkina échangent leurs expériences en matière de justice. Les membres des deux institutions ont discuté de bonnes pratiques en la matière. Et le moins que l'on puisse dire, c'est une mine d'informations qui a permis aux deux délégations de se séparer nantis de nouvelles connaissances mutuellement avantageuses. Aboubakar Sayon.
Déjà engagé dans des relations multilatérales à travers des organisations telles que l'Association des hautes juridictions francophones, les cours de cassation du Togo et du Burkina Faso passent à une vitesse supérieure. Cette rencontre est le premier contact direct entre les deux institutions. Elle marque également le début d'une coopération juridique initiée par la partie togolaise. Elle se veut un cadre de partage d'expériences et de formation continue. Ces magistrats vont le temps d'une journée discuter des grands principes et des règles fondamentales qui gouvernent les institutions suprêmes, relever les difficultés auxquelles elles sont confrontées et échanger autour de leur composition et de leur fonctionnement. Partout ailleurs, les magistrats sont décriés de par la lenteur des procédures, problèmes de corruption, etc. Alors, à bon arrivée, je me suis dit qu'il fallait aller m'inspirer des expériences des autres collègues du Burkina Faso, par exemple, et d'autres pays, le Bénin, le Sénégal, et pour mieux asseoir justement notre organisation et procéder à une meilleure gestion du corps des magistrats et répondre aux attentes des justiciables pour la paix sociale et pour le développement durable. Nous espérons surtout que c'est un partenariat sud-sud qui va se poursuivre et puis se développer. Et ça nous honore et ça nous permet aussi d'uniformiser un peu le droit dans nos pays respectifs. La Cour de cassation et le Conseil suprême de la magistrature sont des organes chargés de garantir l'indépendance et l'impartialité de l'institution judiciaire. La dynamique enclenchée entre les deux pays vise donc la mise en place de systèmes judiciaires plus efficaces. Le ministre de la Promotion de la Femme a rencontré hier des membres de la communauté catholique pour solliciter leur contribution dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Une démarche qui consiste à impliquer toutes les couches et des communautés dans le processus. Viviane Tiendrebeau. L'Église catholique est engagée dans la lutte pour un mieux-être de la fille et de la femme. Dès ses débuts, elle a accueilli et soutenu les jeunes filles victimes de mariages forcés. De nos jours, sa commission Justice et Paix conduit un projet qui permet l'écoute, la prise en charge et l'accompagnement des femmes victimes de violences à Dédougou, à Nouna et à Ouaouguia. De l'avis des chrétiens catholiques, la meilleure manière de lutter contre les violences faites aux femmes, c'est de mettre en pratique la parole de Dieu. Quand Saint Paul dit que « Femmes, soyez soumises à vos maris », il l'ajoute un peu plus loin, Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Il y a des conférences qui se font ailleurs dans le monde contre la famille telle que nous l'avons connue, c'est-à-dire un homme, une femme qui s'aiment et qui demeurent ensemble, qui ne cherchent pas à divorcer. Nestorine Sangaré a donc parlé à un public acquis à la cause de la femme. Nous avons vraiment espoir avec les communautés, la communauté coutumière et religieuse qui nous aident par rapport à la réinsertion sociale, à la médiation familiale. Il y a des cas graves où il faut obligatoirement aller en justice. Quand parfois les victimes sont menacées de mort, ou elles ont conscience après avoir échappé déjà à des tentatives d'assassinat. Les violences contre les femmes se déroulent en public, mais surtout en privé. Il faut, en plus de l'engagement des hommes, un engagement des femmes dans cette lutte, car comme dirait le bienheureux Jean-Paul II, il faut travailler à ce que la femme soit éducatrice de la paix. La question a été aussi discutée à l'occasion d'un panel initié par le ministère de la Promotion de la Femme. Des représentants d'associations féminines, de la société civile et de leaders religieux ont pris part à ce panel. Et le reportage cette fois de Claudine Bikaba. Pour venir à bout du phénomène de la violence faite aux femmes et aux jeunes filles, le ministère de la Promotion de la Femme a organisé des activités entrant dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale sur la violence faite aux femmes, célébrée le 30 novembre dernier en différé. Parmi ces activités s'inscrit ce panel. Le panel a pour objectif de discuter sur des thèmes bien précis,
et pour mettre toujours en exergue le problème des violences faites aux femmes et aux filles. C'est pour cela que nous avons par exemple deux thèmes sur lesquels nous allons discuter ce matin. Nous avons eu des rencontres d'échanges sur un dialogue social avec les coutumiers et les religieux. Et nous avons associé la discussion sur un thème comme l'exclusion sociale pour accusation de sorcellerie. Le ministère en charge de la promotion de la femme a voulu associer les leaders religieux et coutumiers pour une lutte plus efficace contre le phénomène de la violence faite aux femmes. Ce sont des leaders dans leur communauté. Ils sont beaucoup écoutés, tout comme les coutumiers. On sait déjà qu'ils font quelque chose sur le terrain. En échangeant avec eux, en les associant à la lutte, on est sûr qu'on peut obtenir des résultats. C'est par un dialogue social que nous pensons venir au bout du phénomène. Au cours de ce panel, les échanges seront axés sur l'exclusion des femmes accusées de sorcellerie. Le ministère entend poursuivre la sensibilisation pour l'élimination des discriminations à l'égard des femmes au Burkina Faso. De sécurité professionnelle vient de mettre sur le marché de l'emploi la première promotion d'agents de sécurité formés par la structure. Ils ont été invités à plus de professionnalisme, de compétences et d'intégrité dans l'exercice de leur métier. Drissa Séré. Que Dieu nous donne la sagesse de prévenir la menace. Cette première promotion d'agents de sécurité privée, entièrement formée par l'Académie de sécurité professionnelle, peut fièrement arborer ses insignes. Fini pour eux l'amateurisme, l'improvisation et l'opportunisme dans le domaine de la sécurité privée. Ils sont désormais outillés pour assurer avec professionnalisme la sécurité des personnes et des biens. L'agent de sécurité privée prévient la menace. C'est-à-dire qu'il a toutes les compétences d'abord pour savoir qui il est, la déontologie de la sécurité de son métier. Ensuite, savoir quels sont les instruments et les outils nécessaires qu'il a en main, en sa possession, pour protéger la personne qu'il surveille et se protéger soi-même. Donc il y a une certaine proactivité que l'agent de sécurité a. Au Burkina Faso, on dénombre près de 15 000 agents de gardiennage intervenant dans la sécurité privée. La plupart de ces agents, dont plus de 80%, ne sont pas formés. En mettant cette première promotion sur le marché, l'Académie de sécurité professionnelle montre la voie à suivre en matière de respect des exigences et des normes qui doivent régir la sécurité privée. Cette formation vient de se faire. Pensons que ça va être le tremplin d'une qualification plus accrue de la sécurité sur le terrain. Nous utilisons presque tous des agents de gardiennage dans vos structures et quelquefois nous devons reconnaître qu'ils ne sont pas du tout professionnels sur le terrain. Et nous pensons que le salut ne vient que par la formation, la connaissance des B.A.B.A. de nos métiers, afin qu'eux puissent être à la hauteur de ce que nous attendons d'eux et que nous nous sentions beaucoup plus en sécurité en leur présence. L'objectif de l'Académie de sécurité professionnelle est de contribuer à former le maximum d'agents de sécurité privée pour répondre aux attentes des citoyens. Et la Brigade nationale des sapeurs-pompiers vient de recevoir du matériel estimé à plus de 50 millions de francs CFA. C'est un don de l'Office national de l'eau et de l'assainissement qui répond aux besoins de renforcement des équipements de la brigade. Le reportage est de Yakuba Goro. Des poteaux d'incendie, des tricots et des tuyaux, ce sont là quelques matériels de lutte contre les incendies remis à la Brigade régionale des sapeurs-pompiers du centre. D'une valeur totale de 51 millions de francs CFA, ce geste de l'Office national de l'eau et de l'assainissement vient renforcer les capacités opérationnelles de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers pour plus d'efficacité dans ses interventions. Nous remercions vraiment l'ONEA dans leur partenariat avec les sapeurs-pompiers qui intervient au bénéfice de nos populations en fournissant l'eau continuellement aux sapeurs-pompiers lors de nos interventions. Et également, ce partenariat profite non seulement à la population, et permet aussi d'apporter un plus, un supplément à ce qui existe à notre niveau pour augmenter notre capacité opérationnelle. À travers ce don aux soldats du feu, l'ONEA entend participer à la préservation de la sécurité des populations. Nous sommes les services publics qui travaillons pour la ville et
Ce dispositif fait partie du dispositif du service public en termes de sécurité. Et autant nous nous sommes arrêtés depuis longtemps dans le cadre de la conception de notre réseau d'accès, puisque l'eau est un élément important pour cette activité. Ça fait que dans tous nos programmes d'investissement avec nos partenaires, quand nous sommes dans le déroulement, avec les sapeurs-pompiers, nous essayons également d'apporter notre contribution pour leur permettre, avec l'extension du réseau et les équipements également que nous mettons en place pour la lutte contre l'incendie, d'également leur doter de tout ce qu'il faut. Cette remise de matériel entre dans le cadre de l'exécution de la phase intermédiaire du projet d'approvisionnement en eau potable de la ville de Ouagadougou. Elle intervient après l'installation de 23 poteaux d'incendie déjà effectués dans la ville de Ouagadougou. Le village de Sanoui, dans la commune rurale de Sampsé, et c'est dans le BAM, vient de bénéficier d'une plateforme multifonctionnelle. C'est un dispositif qui va contribuer à améliorer les conditions de vie des populations de la localité. Ramata Zida et Yakuba Gourou. C'est à travers chants et pas de danse que les femmes du groupement Nebnouma de Sanoui, dans la commune rurale de Sampsé, manifestent leur joie. La commune dispose désormais d'une plateforme multifonctionnelle. Fruit de l'engagement de la population, cette plateforme est un grand pas dans le processus de développement de cette localité. Pour nous, la plateforme va nous permettre dans un premier temps donc de diminuer la pénibilité du travail de la femme. Ça peut être aussi une amorce quelque part pour pouvoir mener un certain nombre de travaux. D'un coût estimé à près de 10 millions de francs CFA, la réalisation de cette plateforme a été possible grâce au soutien de la société minière Bissagold et de l'OCADES. La plateforme est une véritable chance pour amorcer le développement dans un village comme Sanoui. C'est avec joie et avec beaucoup de plaisir que nous sommes venus aujourd'hui féliciter le groupement des femmes, le groupement Nebnouma, qui nous a sollicité depuis un certain temps et que nous avons accompagné dans la mise en place de ce joyau. L'inauguration de cette unité de transformation des produits agricoles vient soulager les femmes qui trouvent en cela un tremplin pour la promotion des activités génératrices des revenus à Sanoui. Les structures nationales œuvrant dans le volontariat commémorent la journée internationale du volontariat. C'est à travers une marche à travers certaines artères de la ville de Ouagadougou qu'elles ont célébré cette journée. Frédéric Etienne Bassenga. Journée internationale du volontariat. De la place de la Nation au rond-point des Nations Unies, les volontaires intervenant au Burkina Faso ont marché pour réitérer leur engagement à toujours servir. Unitera, SACO, le programme national de volontariat au Burkina Faso, la Croix-Rouge, France Volontaire, Oxfam, Spong, pour ne citer que ceux-là, ils étaient tous présents pour commémorer cette journée qui a été placée sous le thème « Célébrons le volontariat ». C'est une journée qui montre la reconnaissance du monde entier, des gouvernants, de toute la population, au travail que font les volontaires sur le terrain. Le volontariat de plus en plus s'impose. Il y a beaucoup de structures qui demandent de plus en plus de volontaires pour les aider à travailler. Et si nous prenons dans le cadre du programme spécial de création d'emplois, nous avons actuellement 7000 volontaires qui sont en train de travailler dans l'administration publique et dans les collectivités. À cette marche vont s'ajouter un panel et une exposition à l'Université de Ouagadougou pour montrer l'action des volontaires à travers le Burkina Faso et le monde. Une soirée récréative est aussi au menu des activités de cette journée internationale du volontariat. Et puis ce fait de société pour refermer cette édition. En Angleterre, un homme a remporté depuis le 8 juin dernier la cagnotte de 78 millions d'euros, soit environ 51 milliards de francs CFA. 6 mois plus tard, le chanceux n'a toujours pas réclamé son gain et il ne lui reste que quelques heures pour se manifester. Il a donc jusqu'à minuit ce jour pour réclamer son gain et devenir ainsi multimillionnaire. La Loterie Nationale Anglaise a lancé plusieurs appels et diffusé des affiches un peu partout pour retrouver le gagnant. Elle a même engagé un crieur public qui, pour lancer des appels, il y a plus de 1000 tickets de loto vendus par semaine et les habitants vivent dans une psychose permanente. Tout le monde a vérifié ses tickets pour voir s'il avait gagné.
Les gens se manifestent avec des tickets d'il y a des mois, mais pour l'instant, personne n'a encore eu les tickets gagnants en question. Certains ont même été jusqu'à engager des femmes de ménage juste pour balayer les maisons de fond en comble et voir si le bout de papier ne s'était pas glissé quelque part. Les théories ne cessent de fuser, puisque certains pensent que le gagnant est peut-être déménagé à l'étranger ou même qu'il est décédé. Si personne ne se manifeste avant minuit aujourd'hui donc, l'argent ainsi que les intérêts, près de 800 000 euros, seront reversés aux actions caritatives de la Loterie Nationale. Comme quoi, et selon un proverbe berbère, si la chance veut venir à toi, tu la conduiras avec un cheveu, mais si elle veut partir, elle rompra une chaîne. C'est la fin de cette édition. Je vous retrouve tout à l'heure en compagnie de Amadou Ardo Diko pour le compte-rendu du Conseil des ministres de ce jour. À tout à l'heure donc.